Bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringuier. Aujourd'hui on va avoir deux petits épisodes d'une petite bataille en PVP avec du Rattlesnake, des petits bateaux et tout, ça va être cool. Donc allez, on fonce, on y va tout de suite. Non, j'ai le drapeau anglais. Oh, ah, oui, il est joli le bateau anglais. Ouais, très juste. Ah oui, on a le drapeau anglais, ouais. Allez. Qui aurait cru ça de moi? Quelle honte. On a le rencontre par contre. Moi je scream, hein, ça va pas le faire. En même temps, à tous les coups, faites gaffe, restez pas à côté, ils ont du Niagara carreau. Hein. Je m'en fous, j'ai du Niagara long, je tirerai de loin dans les mains. Pareil. Ah, moi aussi, je vais taper les mains. Allez, soulevez les mains, sans déconner. Vas-y, c'est pas ta journée. J'arrive, mon loulou, ouais. J'arrive, mon loulou, je te jure, là, je suis sûr que je suis pas loin. Je prends pas de bataille, hein. Tiens, vas-y, explose le mode. Ah, mais gros, je m'en bats les couilles, je prends la première bataille, je rentre dedans, je décoigne tout. Bah, non, parce qu'il y a une bataille où il y a juste un. United States. Juste un américain contre 8, je sais pas quoi. Il y a deux batailles l'une à côté de l'autre, tu regardes et tu rentres dans la bonne. Ouais, bah là je suis en face de Walker Kay là, mais je vois pas encore les batailles. On est ouais, entre les deux, entre si Walter Kay une... et Lille en long là. Ok, ok, ouais, mais ça va, je vois en fait la longue. Voilà, on est entre les deux. Vous êtes au sud. T'as par contre les drapeaux, c'est la misère pour ça. Il reste combien de temps par contre? 1 minute. Et c'est un sous-effectif là, hein, par rapport à eux. J'ai une minute pour rentrer là. Ah, t'as même pas une minute là, t'as 30 secondes. Là. Ah, j'y serai jamais. Alors les gars, on se groupe, nous les Français, on va essayer d'en isoler un ou deux dans le groupe là-bas. Bah là, je suis avec les Anglais. Ouais, bon, bah tant pis, hein. Tu as choisi ton camp. Hein. Ah, j'ai pris ceux qui voulaient faire une ligne en premier. Hein. C'est bon, vous êtes à 24 là. Non mais vous êtes à combien timer? Ah, en timer. Putain, je le vois le combat, putain. Là vu qu'on a le drapeau anglais, si jamais on s'approche des forts, ils vont pas nous tirer dessus. Non. Vous êtes au sud de Walker Kay ou au nord? Je pense que je vais avoir le temps de... Non, battle is close. Ne tapez les mains. Et là, vous êtes de quel côté de Walker Kay? Entre. Ben devant, on est devant Walker Kay, à l'ouest de Walker Kay, sud-ouest de Walker Kay. Entre les deux îles, quoi. Ouais. Les tournées, ils vont être obligés de faire demi-tour pour venir sur nous, ils auront le vent de face, les gars. Il reste des mecs à l'extérieur de la bataille en question, quoi. On va choper des Américains, vous voyez. J'arrive à un grand pas. Ouais, essaye de chaîner ces enculés. C'est lui qui est allé. Il y a du rouge. Tant qu'on reste loin, normalement on a l'avantage. Ceux qui sont à l'extérieur, vous voulez pas grouper? C'est-à-dire? Faire un groupe, un battle group si vous êtes à l'extérieur. Non, en fait, je suis déjà en groupe avec les autres en fait. Rejoindre le groupe des autres. Mais t'es dans la... tu peux rejoindre la bataille? Non, là elle est close. Je suis à l'extérieur. C'est pour ça que je dis, faisons un groupe pour aller pour ceux à l'extérieur. Bah non, enfin, on peut rejoindre le groupe de tout le monde, c'est pareil. Avance, Land. Ouais, mais il faut pas grouper, c'est normal. Tiens, tourne. Mais tu t'en recharges ces canons, qui se leur arrive. Je fais les voiles à Snowball. Ah, moi je balance des chaînes, on va bientôt checker le joint. Putain, ils m'ont déjà fait le rudder, mais c'est pas possible. J'ai que ça de toucher sur le bateau. C'est bon, je suis dans l'axe de l'équipe, je retourne à fond à droite. Je balance ma bordée d'aller. Voilà, Varlon, je peux pas t'inviter. Je dévente à fond un paquet de cartes. On empêche du coup tout... Ah c'est moi, ah oui. Il va rentrer dans la PB ce mec là. Ah oui, si vous en chopez d'autres, n'hésitez pas à aller les rouler. Tu peux voir s'il y a de l'anglais dans la PV? Il y en a. Il y a des... En fait, ils ont démonté. Là tu sais, c'est la bataille, là, 1v8. Réinvitez-moi ceux qui sont à l'extérieur. Ah, la PV, c'est la 1v8, ça? Non. Il y avait un combat 1v8 à l'extérieur. Il y en a un qui a été coulé, là, c'est qui a été coulé? C'est l'anglais? Forlong, je peux pas t'inviter. Celui qui a déclenché la bataille, en fait, qui a coulé.
Là j'étais là je crois. Ouais c'est bon, c'est good. Allez on est en départ. Voilà, là ils vont tous rentrer dans la PB. Et repli stratégique contre les forts anglais. Tapez Teddy Tech, tapez Teddy Tech là. Ok. À une minute près. Il y a pas mal de bétail d'or. Ah ouais. Ça, ça va rentrer dans la PB de Walker Kay, là, il va attendre. C'est ça quand on n'est pas à l'heure, les gars. Ah Titi, franchement, moi je pensais que c'était 21h et... 21h la PB, mais honnêtement, je pouvais pas, tu vois. C'est ça, c'est 21h la PB commence. Ouais, c'est ça. Ouais, faut qu'on soit plus précis sur lui. Non non mais c'est moi j'ai fait le débile, de toute façon j'aurais dû venir avant. C'est pas grave, tu vas bien trouver 2-3 clients coulés là devant. Ah bah de toute façon je m'en bats les couilles, sinon je vais à la Sabinas là, je vais chercher des Espagnols sinon. Allez charge Maurice. Focus Teddy Tech. Fringuier t'es un peu trop près d'eux. Ouais ouais mais j'en vais te border je m'en casse. Fringuier, reviens vers nous, t'es trop près de nous. Tu vas te faire focus par plein de mecs. Ouais. Tu peux prendre le cap au 230, les gars. Où est-ce que vous en êtes? 270, 280. On a déjà commencé, Carlito. Il est dans la bataille. Il nous arrive dessus, il nous arrive. Allez où? Faut partir. Devant vous, Walker Kay. Tu me fais un plus 1, je te groupe dans le groupe des gens à l'extérieur. Là, je vais me faire atomiser, moi je suis hyper lent avec mon rappel snipe. Mais non. Tu vas me faire atomiser hein. Ils sont comment en vol? Ouais, il y en a qui sont à 80%. Teddy Tech qui est à 80% de vol. Il y a Farid qui est... Il y en a un qui a perdu un mode avec Mike Mine. Ah pardon, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme cap d'Europe? Walker Kay, donc c'est Nord-Ouest. Tu fais Nord-Ouest, un ticket à droite. Nord-Ouest? Ouais. Vous avez fait un groupe là? Oui, fais un plus un si tu veux. C'est le groupe des gens dehors là pour l'instant. Pourquoi il y en a qui sont rentrés dans le groupe des gens dehors? Bah, on a payé les Américains avec les. Il y en a qui ont pas pu rentrer. Oh ça va encore. Ça va fumer. Attends, il y a zéro US qui sont rentrés pour le moment. Ouais, non, parce qu'on les a tagués dehors. En fait, il y a un groupe en dehors de la PB, c'est ça. Ah, ok. Je vois 11 Britanniques pour le moment. S'ils continuent à nous suivre, ben ils ont perdu la PB. Non, non, mais de toute façon, il y a 15 chips là dans la PB bientôt. Enfin, dans la. À l'intérieur du port, plus ceux qui sont en combat, honnêtement. Ah bah là, en fait, Teddy, prends cher, faut continuer à l'allumer. On fuit, ils continuent à nous poursuivre, donc au bout d'un moment, bah, ça va être trop tard. Hein. Tu vois, vas-y, Aspire, redresse. Je vais tirer. Pour avoir l'arrière, en fait. Je vais déventer un peu, je vais trop vite. T'inquiète pas, je bouge pas de là. Je focus toujours là, par Teddy. Elle et Titi, s'il y en a un seul qui sort... Je dépower pour laisser Aspire devant moi, dépower Landfeuse pour passer derrière moi. Bon, ok, je pars devant. Ouais. Par contre, l'abeille Vorlon, tout ça là, s'il y en a un seul qui sort parce qu'il est destroy et qu'il essaie de s'en sortir, on y saute dessus, on s'en bat les couilles. Ah ouais, mais clair, ouais, je suis là pour ça. Hein. T'avances pas Aspire. Ben, je suis hyper lent, donc en fait, le mieux c'est... Alors j'avance, je remets le... Je repasse devant. Ok, vous êtes parti par la droite ou par la gauche? De quoi, Titi? Vous êtes parti par la droite ou par la gauche? T'inquiète pas, on est juste devant Walker Kay. Tu vas à droite, Rock. Vous êtes parti par la droite. Tirant en plein milieu du regroupement. À droite. Enfin, quand tu sors du port, tu prends à gauche, quoi. Et quand tu regardes la carte, tu prends à droite. Oh, je vois le plus. Ouais, il faut... Et moi j'ai rien pris et eux je peux dire qu'ils mangent quand même. Bah ouais, ouais c'est bien ce qu'ils font. Mais bon, s'ils ont de la carreau, c'est. Il y a un gros regroupement sur la carreau. Je pense qu'ils sont au carreau et qu'ils peuvent pas nous avoir. Faut qu'on reste à l'écart. Alors, hein. Restez à distance et tirez dans les bras et dans les bras. Et la chaîne, les gars, ouais, tout à fait. Moi je focus toujours notre ami Teddy là. Moi je tire en plein milieu du gros regroupement. Il y a encore des gars qui meurent. Ah oui, c'est les Rochefort. Ah ouais. Ils sont là, s'ils continuent à nous poursuivre, ils sont perdus. Hein. Mais par contre, les Titi, si vous voyez un escape de leur côté, vous nous le dites. Oui, c'est pas de soucis. De toute façon, il va aller directement dans le port, je pense. Non, parce qu'on attaque les Américains, pas les Anglais.
il prendra le vent de fuite, il faut se mettre devant alors. Ouais, moi bah, je pense qu'on est plutôt bien là. Ils sont arrivés depuis West End, je crois. Là, t'es dit qu'il vient c'est de bord. Qui est devant moi là où, ah, c'est un anglais, Reset. Moi je tire à la chaîne dans le tas et ça tombe au milieu, ça fait un massacre ça fait. Ouais, ouais, c'est pareil. Tu chaînes ? Bon, allez, on met la chaîne. Ah, tu as la chaîne. On va leur dire merci à la fin pour d'être bien regroupés comme ça. Allez, reste Adam, là, avance, mon dieu de merde. Par contre, une blague, il est en plein milieu de tout le monde, il va se faire déranger. Putain, il avance pas avec son rafio là, l'anglais. Et c'est quoi son truc en plomb qu'il a là ? Il y a eu un coup de cloche là. J'ai même plus commencé la cloche déjà. C'est J par défaut. Ah ouais. C'est du délire. Bon, on va arriver. Allez, j'arrose de chaîne. Je sais pas si ça va tomber où. Il se pousse tant. Vous tirez dessus ou pas ? Je sais pas trop ce qu'ils font. Ils essayent. Ils essayent, ouais, mais ça tombe trop. Ils sont à la queue. Dis, quand tu tires tes chaînes, je suis devant toi, t'as vu ? Deux. Oui, t'en fais pas, je veux pas t'allumer. Hein, Oui, c'est une blague, c'est encore un anglais, mais ils avancent pas, leur rafio des anglais. Là. Ah, c'est à tous les coups, ils sont hein. Comme moi. À tous les coups, ils sont comme moi. Là, ils ont pas avec du. Avec planking dessus. Hein. Et le mien, il est en live. Ah non, c'est peut-être un tech white up le mien. Oh là 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 là, il va se faire démanteler, il avance pas, qu'est-ce que c'est que ça. Puis il est devant moi, je peux pas tirer. Quoi, une blague ? Ouais. Ah, il va se faire démanteler, hein, s'il reste comme ça. Pourquoi il enlève les voiles ? Il veut pas passer derrière lui. Bah l'autre, les voiles, je leur fais tout. C'est là que je l'entende, putain. En plus, on a le vent qui nous augmente la portée des canons parce que. On a eux ils tirent plus court et nous plus long avec le vent qui nous vient de l'ouest. C'est sûr que c'est ça marche ça. Ah bah oui. Ah oui oui ça. Ouais. Gîte, et pas nous on a une gîte positive qui nous permet de tirer plus loin et ah eux ouais. Ils ont une gîte qui leur fait tirer dans les vagues. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, en fait tu rajoutes dans les faut garder ce cap. Rester loin d'eux, hein, rester loin d'eux. Ouais ouais faut rester loin d'eux faut pas y aller. Tu rajoutes l'angle du canon vertical qui est à peu près de 20 degrés je crois à peu près. Et tu rajoutes à 60 degrés à cause de l'inclinaison. Donc tu tires un max. Ouais, vous seriez plus sujet au Lycosi quoi. C'est ça. Voilà, mais à longue portée, c'est mieux d'avoir le positif. À courte portée, c'est mieux d'avoir le négatif. Faut focus Azrum là. On va tirer dans le temps. Ou même ceux. Il y a un tas de cons là, on tire dedans. Qu'ils ont pas compris qu'il fallait qu'ils fuient. Ça y est, ils me prennent un peu pour cible, mais j'ai rien pris encore. Trop court, les gars, trop court. Je vais bloquer mes canons arrière. C'est trop court. Ah ouais, ils essayent, mais ils ont du mal. Il y a la carreau, ils sont sous le carreau, les mecs. Et regarde ça. Oh là 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 là, la volée de voile. Allez, 25 voiles. C'est bon ça. Bah, faut que je règle mon canon là. Parce... Qui c'est qui est derrière moi qui me suit fidèlement là ? C'est Landfust. On est vite pareil, je pense. C'est mon lieutenant Landfust. Tu vises quoi ? Le sommet du mât, non ? Ouais. Un peu au-dessus des mâts. Sinon, je suis même trop long. Oh, l'autre, il s'est fait démonter le mât là, regarde. Je crois qu'ils ont pas compris qu'ils doivent foncer dessus. Hein. Oh. Ensuite, on commence à repasser. Là on peut faire un demi-tour et ah, remarque ici il y a le fort à droite. Il y a le fort à droite hein. Bon ils ont tourné. Demi-tour, on tourne les gars, on tourne en peigne. Quelqu'un va être en face au vent les gars. On repart sur le 315. Peut-être zéro même. Oh je sens des. Attention, trucs. Non, il reste là, bougez pas. Non mais au pire on se rapproche du fort allié hein. EDR guys get a little closer.
closer de quoi pour reprendre. Oui, il y a la tour qui est bientôt là, et après si on continue, si on suit la berge, on ira sur le gros fort. J'ai l'impression qu'ils essaient de tirer au canon avant. On part au zéro les gars. C'est pas une touche hein. Non, on continue en 270 pour essayer d'aller choper le fort. Bon, si je peux repartir, c'est pas grave. 225. On garde le vent de toute façon. Oui, on met 225 et on essaie de se mettre sous les forts alliés. Nous, on a le drapeau anglais, le fort va pas nous tirer dessus de toute façon. Oui, mais sur les ennemis. Ah ouais, le fort commence à tirer là. Regarde, le fort commence à tirer. Ah bah c'est le fort qui est en train de m'allumer alors. Non. Peut pas t'allumer. Oui, je sais, mais peut-être que je suis sur la trajectoire de leur canon. C'est anglais. Il y a des trucs qui arrivent sur mes voiles, en tout cas, ça c'est sûr. Là, si ils sont pris au piège, ils peuvent plus fuir, ils sont obligés de nous pourchasser, sauf qu'il y a les forts qui commencent à leur tirer dessus. Si jamais ils veulent fuir, on aura l'avantage parce qu'on aura juste besoin de courage. Putain, mais c'est quoi qui me tire dessus, bordel? Je sais pas si vous avez vu, mais ils commencent à être dispersés quand même. Ouais. Ça commence à se disperser un peu. Ils sont pareils que nous que quand on avait voulu faire le truc. Il y en a qui veulent partir à droite, à gauche, et nous tout droit. Il y en a trois qui sont devant. Azroom. Il faut taper sur les trois qui sont à gauche. Les trois qui sont à gauche, si vous avez l'angle dessus, tapez leur dessus. C'est le grand choix. Carl, tu peux te mettre à droite de moi, s'il te plaît. Pingui, fais gaffe à ton beau près. Oh putain. Comme ça, on est sûr de pouvoir. Moi, je l'ai vanté logiquement, donc ça devrait marcher. Allez, 15 voiles demain. Vasectomie, tout à droite là. L'autre, il a 87 de voiles, Azroom. L'autre, il est à 82. Charles, ramène-toi par là, hein. Il y en a deux derrière toi. Et à un moment, ils vont lancer une répa voile, et à ce moment-là, on passera au coq. Hein. Contre, vous, les chaînes sur les canons arrière, les gars. Les chaînes sur les canons arrière. Non, mais sur le Rattlesnake, on n'a pas de canon arrière. On a tant pis pour les Rattlesnake. Tranquille. Oui, j'ai. T'en fais pas, ils sont déjà chargés. J'attends de que ce soit dans l'angle et puis j'ai mes ennemis. Style à lui, là. Charlemagne, fais gaffe, t'en as un gros groupe qui te. Je sais, j'ai vu. Il y a un anglais avec moi, là. Il y a Barzek, là. Banish Barzek. Ok, on va essayer de remonter, je pense. On va essayer de les couper en deux. Je pense que là, c'est la meilleure des solutions. Super, Carl, je te remercie. Comme ça, on peut les taguer, quelle que soit la direction où ils partent. Après, on peut essayer de remonter sur les trois là qui sont en haut. Ils ont... Les trois là, ils sont mal en voile. On peut les. On peut leur remonter dessus, les trois qui sont en haut. On fait ça? On leur remonte doucement dessus. Je vais reprendre, me remettre avec vous les gars. Je recharge. Je recharge comment vous voulez. Qui pas de flit. Non, mais en fait la flit elle est taguée dans un autre combat. En gros ils l'ont tagué avant qu'ils rentrent dans la PB. Neuchâtel anglais là, qui arrive en même temps. Il arrive après la bataille. Pied. Ouais, il va rentrer dans la PB. Il peut lui. Oui bien sûr, il est anglais. Allez, le main, les voiles, on se fait Azroom, les gars. Les trois là, on monte dessus. Ouais, on va leur monter dessus. Faut monter tous dessus à plusieurs là. On leur monte dessus, mais doucement. Hein. Le temps de. Non, les gars, il n'y a pas de quartier. Ah non, on monte pas. On monte pas petit peu moins. 200. Ouais, 200 à peu près. Oh putain, j'ai tiré au-dessus, j'hallucine. Charles, c'est bon toi? L'anglais, il me fait chier. Il y en a un déjà qui fait demi-tour. Hein. On arrive bientôt sur le fort allié. Vous pouvez répéter combien il y a d'Américains dans votre combat? Ok, il fuit. Je prends les boulets du fort. Les suivez pas, sinon vous allez vous. Ouais, ils sont 4, hein, ils sont 4 de notre côté. Non, mais il y a du monde qui revient. Il y en a 4 qui remontent sur vous. Hein. Alors, dans le combat, ils étaient à peu près 10 ou 11 contre 14, et dans la PB, il y a 14 anglais. Redescendez sur un cap 270.
On va reprendre, on va revirer avec le vent. Eux, ils ont viré contre le vent, on va revirer avec le vent. Ok. Ça sert à rien de les suivre, il y en a 4 qui vont vous remonter dessus. Charles, c'est bon, t'avances ou pas? J'ai toute la patrouille derrière, moi. Bah, t'arrives à accélérer ou pas? Faut que je leur mette un coup de chaîne. Ok, on redescendait sur le gros fort. Redescendez sur le gros fort. Une fois que le gros fort commencera à tirer, on avancera un petit peu. Mais le gros fort il tire, t'en fais pas, mais si t'es dans la trajectoire, tu prends un peu de boulet quand même. Putain, mais le fort il tire dedans, hein, cet enculé. Aspire, continue comme t'es, moi je continue de montrer dans ma trajectoire. Après je remonte vers le fort. Voilà. Tu revires Simon? Parce que sinon j'allais vers le tas des autres anglais là. De fringues, je perds pas de temps, je les emmène vers le fort. Une répa voile. Combien t'as qu'une seule répa voile? Non, je vais m'en mettre une parce que je vois qu'il y a des trous dedans. J'en profite. En tout cas là ils sont bloqués, ils sont entre deux forts qui vont prendre hyper cher. En tout cas une tour et un fort. Je tourne. Là on fait juste des au bas pour leur faire le masse de voile, puis après on leur foncera dedans une fois qu'ils seront affaiblis. Dépêchez-vous, il y a la tempête qui arrive dehors. Les voiles ou on tire dans les coques? Tire dans les voiles, hein. Faut les immobiliser. Le fort s'occupera de tirer dans les coques. Putain, mais on dirait que le. Ah, le fort, si t'es dans la trajectoire du fort, tu prends les boulets, hein, ça c'est sûr. Moi j'arrête pas d'en prendre depuis tout à l'heure. Ben, on va remonter un peu plus. On va monter un peu plus au 180 pour dégager de la trajectoire du fort. En face, c'est demi-tour. Je suis bien par rapport au fort. On dirait qu'il nous faut qu'il nous tire dessus le fort. Même en étant. On est sur la trajectoire. Non, on est sur la trajectoire. Putain, mais moi, je prends tellement de plomb là. En face, tu te prends toujours des tirs? Non, non, là, bah, pas du fort en tout cas, je crois pas. Ok, normalement là on est. Je sais pas. Là, normalement, on est pas dans l'axe en fort non plus. Mais si non, je me prends bon, des tirs, c'est qu'il me tire dessus, hein. C'est pas que. Faut juste éviter qu'il nous casse en fait, qu'il nous coupe en deux. Bon, je défends, tiens, un qui passe devant. Ah, je confirme, le fort il nous tire dessus, hein. Il nous tire dessus les gars. C'est sur deux fringues, celui qui est derrière moi, j'ai déventé. C'est pas qui tire ouais, vers nous, c'est qui tient nous tire dessus. Tire à droite ou à gauche, mais j'ai déventé, voilà. Ça marche. C'est au-dessus devant, il est devant, je peux pas tirer. Les forts tirent sur leur voilier. Bah, on croyait qu'ils nous tiraient pas dessus. En plus, on a le drapeau anglais, donc il y a un truc qui déconne quand même. Ouais, ouais. Non. Faites un F11, hein. Ouais. On commence à être rapporté de l'arcaronade, on va s'éloigner un peu.
Ouais, faut arrêter de faire des zigs et des zags, on commence à garder un peu un cap pendant un moment, pour reprendre de la distance. Nous on a des meilleurs voiles que... 225 les gars, 225. 225, on s'éloigne. 225, bien pris. 225, sinon on va se faire choper Faut prendre... On arrête de tirer un petit peu, ouais, on 225, reprend un peu de distance. 225, ceux qui peuvent tirer avec les canons arrière, tirent avec les canons arrière. Je m'y colle. Mes charges, mes canons Basek, arrière sont presque chargés. Dis-moi. C'est comment la PB? De quoi c'est comment la PB? La PB, il y a toujours du monde à l'intérieur. Ah mais gros, on est 4 devant la PB, il y a personne qui rentre là. Oui mais à l'intérieur, il y a toujours du monde. Ouais, il y a 14 anglais contre 0 américains. Ouais, les américains sont tous fait choper dehors. Nous, on est 4 devant en ligne, si on a et un qui fait que et ce qui fait que quand on va ressortir, les anglais qui sont à l'intérieur, ils vont ressortir aussi. Et on va les démonter. Et là, on va se retrouver à je sais pas combien. On va redescendre un peu. Ça va être la Ali. Ah, mais je suis chaud. Hein. Oh, c'est clair. On va redescendre un peu parce que là, ils sont en train d'esquiver le fort. Ouais, pour prendre 270 ou 270 là. 90 quoi. 270, on redescend sur le fort. En tout cas, les Anglais, ils ont l'air de bien comprendre qu'on a envie de faire. Ils sont en train de prendre un cap de fuite. Ah, ils savent que nous, ils nous aurons pas... Bon les gars, vous savez ce qu'on fait? Si on voit qu'ils prennent un cap de fuite, on se met dans le cul de leur ligne, on chope les isolés derrière. Ah, faut choper c'est les clair. Derniers, ouais. D'accord. Ah non, ils sont en train de tourner. Non, ils sont en train de tourner. Ben laissez-les tourner, hein. Ah. Quand ils auront fini de tourner, on sera loin, nous. Et on pourra les rechoper d'une autre façon, quoi. On pourra les remonter en repassant dans le 315, peut-être, non? 315 ou dans le 0. Ils partent de l'autre côté les bateaux. Ils se cassent. Ouais, ils se cassent. Okay. Bon, on remonte dessus. Il y en a qu'un qui nous suit pour l'instant. Il y en a un qui nous attend. Les gars, par en même temps. On peut prendre à droite, direction Walker Key. On prend le dernier de la ligne là-bas qui est isolé. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aussi remonter. Tout à fait, il a plus de voile, on lui fait sa fête. On peut aussi remonter 180 et essayer de les retenir le plus longtemps possible. 135 et on les retient le plus longtemps possible. C'est vous qui voyez, d'accord, quand vous voulez. Il y a, parce qu'il y en a un qui est pointé vers nous, derniers, lui, puis... on peut se le faire, lui, le... De Fringui, il y en a un ou deux qui s'occupent des deux derniers, là, qui sont à la traîne, ouais. Puis l'autre, les autres montent sur... Non, on ne sépare pas nos forces. Ok, d'accord. Au 135, les gars, entre le 135 et le 180. Bien pris. On essaye de les taguer le plus longtemps possible. Faudra s'occuper de Steve Dut et de Bossa Nova. Ben remettez, levez les chaînes et mettez les bols. Là je tape Cédus là, je le touche là Cédus. Oh, j'espère qu'il y a un con qui va sortir en se disant qu'il peut faire la PB tout seul, putain. Et il y en a un autre qui est isolé devant, c'est lequel là qui est isolé devant? C'est Bossa Nova. Cap combien 135 de Fringui? On va y faire danser la bossa nova lui. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une danse la bossa nova, tu savais pas? Oh j'étais quoi? Ah car tu connais la bossa nova? Oui. Oh, c'est une danse de dinosaure quoi, ça se danse pas avec les mains. Genre. Putain c'est pas possible, le corps. Oh, voilà. La bossa nova. Toi je peux pas te tirer dessus, je vais tirer sur l'américaine pour me venger quoi. Oui, j'ai fait le mal. On est hors de portée des chaînes en turbo. La bossa nova qu'il a dit, putain. Là, je le touche au mal. Bah, tire à part sur Google. Ah, mais c'est un américain là. Il s'est liquide dans Basicotter. Allez, dis-moi où c'est que c'est. À côté de l'abeille là. Ouais, c'était leur scout. Pensez. Les gars, y a pas de petit profit hein, si on peut le faire. Essayez de pas focus les mecs. Faut tirer un peu sur tout le monde. Y a le petit snow là, qu'est-ce qu'il fout là? C'est un snow qu'il y a devant là? L'américain là. Tague-le hein, dès que tu peux, hein, tu rentres n'importe comment, c'est pas grave. Il est dans un chalot là, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait lui là devant? Tapez-le hein. Un snow? Il veut choper le snow? C'est pas un snow là qu'il y a devant Non mais on parle de la bataille, dans la bataille. Devant un Simon là, Simon c'est quoi que tu as devant? Un basic cutter.
qu'il a. Non, non, c'est pas un snow. Essaie de tirer sur d'autres amis là qui est tout à gauche. Il y a un rattlesnake, il y a un snow. Ouais, je vais reporter. Faut pas s'en aller avec des trucs pareils. T'as des plus gros qualités. Si, si, c'est important. Je vais essayer de mettre. Je lève mes canons à fond, puis j'essaie de lui mettre une douille, mais je sais pas si je touche d'ici. C'est important d'y montrer qu'il avait rien à foutre là, tu sais. On a peut-être d'avoir intérêt 50 pour le. Non, mais deux, c'est bien. Ouais, il va rentrer encore dans le port. Il va échapper tout de suite. Hein. Non, non, bon, tu mets un rochefort. Tu mets un brave coup de chaîne dès que tu peux. On en parle si, plus. Ça ne va, celui qui est devant moi là. Je vais le. Au pire, il y en a un qui se met sur le snow pour le descendre. C'est un rattlesnake le Bossa Nova devant. Ouais, bûche. Ouais, bon ben. Il s'est porté sur la flotte principale. Je crois qu'on leur faut qu'on leur rende de la gueule. Hein. Guy et Landfest, ouais. C'est bon, vous êtes derrière. Je vais vous chercher, quoi. Oh non, on est là, on est là. On n'est pas à portée pour les chaînes. Ouais, oh non, c'est rendu les chaînes, mettez les boules, hein. C'est même pas drôle, quoi. Non, on essaie de choper les boules, derrière, les derniers, là-bas, là, au fond, ouais, mais ils sont beaucoup trop loin. Faut taper aux boules, là, les gars. Il est vent dans le nez, là. Bah, go sortir, du coup, c'est bien. Non, mais c'est bien. Est-ce que je lui dis qu'il sorte, on le laisse tranquille? Ah, tu l'as défrangé, je suis presque mort à le toucher, mais je tirais trop. Et puis nous, on le chope à la sortie. Il s'est mis vent dans le nez, il sait pas trop comment faire là, il est paumé là. Là, je suis paumé. Ouais, 140 en plein pour dans le No Man's Land. Abusé. Ah, la Bossa Nova, moi j'aime bien la Bossa Nova. La Longfest, on arrive à le toucher si tu lèves les canons à fond, mais quelquefois, moi j'ai tiré derrière. Non mais en tout cas bien vu, je suis trop loin. Pas que ça soit un basic cutter ou pas, c'était important que tu le tacles. Ah non mais c'est formateur. Continue à tirer sur le. Et puis c'est formateur le basic. C'est formateur. Continue à tirer sur le gros de la flotte. Mettez les balles et on tape Bossa Nova là dans les mains. Non, faut taper la coque là non. Faut taper la coque. Tu tapes la coque, allez on tape la coque. Quand vous ouvrez votre map, il y en a deux qui sont isolés, là, c'est Bossa Nova et. Oui, Bossa Nova, j'ai une bordée gauche, une bordée droite. Et les mecs, qui ils vont pas s'approcher pour le sauver, à mon avis. Mec. Je fais un petit virage, j'ai mes douilles, je repars. Fais la ligne, les gars. Bah, au pire, il y a quelques-uns qui restent sur Bossa Nova et. C'est lui qui se barre. Hein. Ben, il y en a deux qui restent sur Bossa Nova et le reste, on continue à taguer la flotte principale. T'es encore dans le combat La veille, ouais, je reste là pour le moment. Il faut le couler le mec, je crois, pour avoir le. Parce que là, on est complètement hors de portée. Hein. Ok. Parce que là, les mecs. Ah, on va s'en occuper d'eux en deux là. Il y a assez du Bossa Nova, faut s'en occuper autrement. Il y en a qui s'échappent, hein, côté Rikin. Il y en a deux qui sont sortis côté Rikin. Allez les gars. Allez, Vazek. Vas-y, Vazek. Bon, allez, je compte sur toi, sur ta motivation. Hein, fais nous quand ça la commence. Hein. On sait que tes canons sont tout chauds. Chargez. Et pour ça, là, faut y aller, les gars, faut le finir. Hein. Non, mais c'est parce qu'on vous aime bien que. Qu'on vous enlève ça. Bon, les loulous, le tag est lancé. Ah, vous l'avez vu ? Ah oui, bah là, on a les deux. Là, on a les deux. Allez, venez manger avec les copains. C'est important, c'est formateur. Ouais. Faites ça bien, on s'en prend en merde. Y'a la base, tu sais sortir loulou? Je suis là, mais je pense pas que je vais pouvoir rentrer. Allez, un peu. Choper un ou deux? Ah, les deux. Ah, choper le tout, hein. C'est formateur. Simon. Ah, j'ai fait un tag formateur là. Allez, je vais mettre un coup de carreau là. Par contre, là, t'es dans ma ligne de mire là. Allez, viens dès les copines. Bon, par contre, ils arrivent ils prennent plus auprès, hein. Je pense qu'on va pas pouvoir les rattraper. T'as passé où, toi? Parce que je vois personne avec moi, là. Je crois qu'ils ont enfin compris qu'ils font. Nickel, en plus, t'as le vent, Vas-y, on en tague un, puis on le. On les laisse pas. Attendez, go descendre sur le contact d'or, côté, d'accord. Go descendre d'un canal screen avec les alliés. Oh putain, il s'est mis dans le vent, Bossa Nova, les gars. Ah, on monte dessus. Faites-lui les mains là, faites-lui les mains. Bah, je vais y taper dans les mains. Je vais y taper dans les mains pour l'arrêter. Hein. Il y en a un deuxième avec lui là-bas. Oui. Lui. Ouais. 975, ils ont terminé. Ils sont à 974 les Anglais.
3 points, c'est de la PB. Donc là, oui, donc là, c'est... Contre toute la petite flottille là, qui est là-bas au fond, elle va se barrer. Je peux pas tirer, Charles. On laisse la flotte. Au pire, partir, je vais aller l'aborder. J'ai 175 coups, il en a 124. Ok. On chope les derniers et on les laisse se barrer. Et faudra les choper quand ils sortent, en fait. Ben, au pire, ceux qui peuvent sortir, sortez. Préparez-vous à choper la flotte de PB qui va sortir. Ça sert à rien, là, on pourra pas les rattraper. Ouais, on gagne. Allez, pose ça nova, les gars. On lui fait la peau. Je vais essayer de choper Cédu. Vous vous sentez à... Bah, tag-le encore un peu. Combien de personnes peuvent détruire les deux navires hein, pour vous? Apparemment, il y a 14 Américains qui nous attendent en dehors. C'est possible ça? Non, il y avait personne. Ah non, 14. Je crois qu'ils sont 14 Anglais dehors. Ah, ceux de la bataille de port qui sont. Il y a ceux de la PV. Il y a ceux de la PV. Ah, US, pardon. Je pensais US comme. Oui, il y a ceux de la PV qui vont sortir. Donc vous sentez les taper à combien les deux? 4, 5. 4, c'est bon. 4, ok, ben les autres on sort, on va les choper ceux qui sont la flotte de PB. Il va sortir. Ok. Des marches arrière Karl. Ouais, Alan Fust, Fringy, Simon et Charlemagne, ben chopez-les, détruisez-les. Hein. Il fait un virement de bord, c'est tendu pour lui. Ça va mal se finir. Ok, on sort. Merde. Bon, à tout Simon. Temps. À tout à l'heure. Bon, tant pis, je pas devant toi. À tout à l'heure. Allez, bonne heure. Chance pour les deux. Hein. Ça marche. Alors, nous, on va choper les. Ceux qui. La flip. Faites gaffe, vous faites pas aborder les mecs, hein, ce serait bon. Bah c'est l'objectif. Moi j'ai des marines et je suis bien. Ok. J'ai beaucoup plus de conflits donc je pense que ça va le faire, j'espère. Attention, Lang First, t'es dans mon angle de canon. Ah, c'est un qui ne prendra pas trop de boulet. Ah, il a réussi à s'échapper. Putain, là c'est la flotte de PB qui sort. Oui, il y a du monde. L'abeille, je sors. Restez dans la bataille pour savoir si la flotte de PB sort ou pas. Bah, tous les Anglais sont dehors là. Oui, tous les Anglais sont dehors. Ah, ils vont se régaler hein. Bien joué. D'accord, et par contre ils ont pas chopé Arthur Tom, les Anglais. C'était américain ça? Ben ouais, mais parce qu'ils pouvaient pas être aux deux endroits en même temps quoi. Fallait nous dire, on serait venu tout seul. Il y a un américain en Niagara là. Il est mal, il est très très mal. Ça, il est où est-ce qu'il est le Niagara? Et il passe devant le port, il va essayer de s'échapper par le cap. Ouais, je l'ai vu. L'abeille, on y va dessus? Ouais, je suis dessus. Ouais. Ok. Ah, il y en a qui s'est escape. Bah, moi je sors, hein. Bien seul, américain. Non, par contre, s'ils y vont tous dessus, les anglais, ça va pas aller, donc au pire, on reste ici. Hein. Attends, ouais. Faut le taguer hein mec hein, je suis non, le premier. Non mais là regarde derrière toi, t'as masse en anglais qui vont le chercher. Bah ouais, mais il faut bien que je le tague, sinon les anglais il va s'échapper quoi. Les chaînes de ce duc là. Ouais, ils sont en train de focus. Ils sont en train de sortir les Non, ils sont toujours en train de fuir au vent, je comprends pas trop ce qu'ils foutent en fait.
Par contre, les autres sont en train de revenir. Ils viennent pas les aider. Ils viennent pas les aider, ils sont comment les autres, ils sont... Ah si si, ils sont tous vers nous maintenant, ils viennent vers nous. Ah, j'ai niqué le mât. Il a perdu un mât, c'est lui a perdu un mât, les gars. Cette fringue, je l'ai déroulée. Non, non, les gars, attendez, il y a la flotte. Si, en fait, si... Ah, la flotte, elle revient. Maintenant, vous pouvez fuir, maintenant que la PB est finie. Voilà, faut se tasser, sinon on va prendre tous les autres sur nous, là. Et on va se faire couler 4 bateaux. Allez, d'accord. On part au 270. Ouais. Et on les chopera dehors. Okay. On les chopera en supériorité. Bon, pour ceux qui ont les canons arrière, on charge les chaînes et on les allume pour pas qu'ils nous chopent. Non, partez, hein, cassez-vous. Ça sert plus à rien de. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer si on veut sortir. Arrêtez de tirer si on veut sortir. Bien pris. Cap de fuite 280. Ça marche. Dans la veille, je suis en bataille. Tira et on les rechoppe dehors. Américain. Il n'y a personne pour le moment. Je lance une répavoile de l'enfeust. Ouais. Et dès que tu ressors, tu pourras relancer une autre répa. Et ils ont vu qu'on n'était plus que 4 contre les deux autres, donc ils ont fait tous demi-tour et ils reviennent tous vers nous. Donc on va se reprendre tout le... Ouais. Bon, le seul qui pourrait toucher, c'est encore l'enfeust, mais... Manifestement, ça risque d'être bon. À combien le timer 48 les gars secondes avant de sortir, moi. Canon line, 48. 1 minute 30 encore. Allez. Langfeuze, tu vas mourir alors. Ouais, Langfeuze, tu prendras les boulets qui restent. Tu vas mourir, Langfeuze. Ah, ils cherchent pas à nous suivre. Enfin, ils pourront pas. Ouais. Ils savent qu'on est trop loin. Il y a encore un Anglais dans votre bataille ? Bah, ils sont une dizaine, nous, dans la bataille. Ouais, il y en a combien ? Dans la PB, dans d'autres PB, là, ils sont. Il en reste 12, je crois. 1, 2, 3, 4. Des Anglais. Non, Anglais, non, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont 12 Américains. Ouais. Non, Anglais, non, les Anglais, non, sont partis. Il y a Fringuy, Charlemagne, Landfeus, moi. On est 4. Ok. On est que 4 bateaux, nous. Hein. Bon, par contre, ouais, le cap à suivre, on va où ? On reste sur place. On reste comme ça, la 270. Moi, je peux livre aussi. Je peux livre le Fringuy. Je peux livre. Juste faire gaffe au. Landfeus, tu peux livre. 27 secondes, 26 secondes. Allez, tu annonces ton timer. Hein. Ouais, ça marche. Et on sort aussitôt. On fait un petit O7 en partant quand même. On les salue. 15 secondes. Mais on va les rechoper dehors, on va les rechoper. En tout cas, on s'est bien marré. De toute manière, je vais te dire le truc de. Du screen, c'est pas de couler là-bas, la flotte. Et n'empêche que vous avez vu quand on n'a pas d'officier. Ça marche bien, hein. Ouais. Par contre, on répare tout de suite dès qu'on est dehors, vite fait. Allez, on livre, les gars. Hein ? On livre. De Fringuy, on répare tout de suite, vite fait, dehors, ou bien ? Et bon, voilà, les amis, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, encore une fois. Et n'hésitez pas à aller voir le deuxième chapitre tout de suite sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite sur le prochain épisode. Allez, tchou !